Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 172 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Singularity. Singularity qui est une sorte de jeu à FPS qui est assez spécial en son genre. Peu de gens connaissent, alors moi j'ai un peu gratté, j'ai un peu regardé. C'est assez sympathique, on va y jouer. Donc c'est parti, bon, un petit peu long. Activision, quand tu nous tiens. En ce moment je suis en période où je vois pas mal de jeux Activision. Unreal, le moteur qui va bien aussi. Alors, Singularity, tu vois, là, c'est beau. Rien que l'écran d'accueil est beau. On se dit, ça va être un bon jeu. On va voir ça tout de suite. Alors, on va faire donc une nouvelle partie, comme une nouvelle partie, quoi. Et bon, je vais écraser ma partie que j'avais commencée. Voilà. On joue en mode facile. Enregistrement en cours. Et on regarde la vidéo. 1945, l'Union soviétique poursuit son expansion à la fois sur les plans militaires et politiques. La Russie soviétique occupe une position clé dans la future destinée du monde. Cependant, seuls les États-Unis détiennent le secret de l'arme atomique. Monsieur Truman a dit, nous devons régner sur le nucléaire. Les drapeaux de la liberté flottent sur le monde. Cette supériorité allait toutefois être de courte durée, car Staline s'intéressait à un projet bien particulier. En cherchant de l'uranium sur une île au large de la côte sud-est de l'Union soviétique, une équipe d'ingénieurs russes découvre l'E-99, une source d'énergie d'une puissance inégalée. Déterminée à accroître son emprise sur le monde, Staline développe des fonds illimités pour mener des recherches sur les propriétés de cette matière. Borisov, le directeur du projet, établit sur l'île une station de recherche, Katorga 12. Pour ses travaux révolutionnaires, il reçoit la médaille de l'ordre de Lénine. Quand Nikita Khrouchtchev succède à Staline, il accélère le programme et pousse Borisov à commencer les expériences sur le terrain. Le 99 se révèle être une source d'énergie incroyable, mais aussi terriblement instable. N'a laissé aucun survivant. Moscou fait alors disparaître les installations, en effaçant toute trace. 2010, un satellite espion américain qui survole la région est aveuglé par un pic de radiation. Redoutant un autre Tchernobyl et les manigances de Moscou, une mission de reconnaissance de Katorga 12 est ordonnée par le Pentagone. Alors, petit arrêt, souvent je le fais ça, je regarde au niveau de la sensibilité de la souris, parce que là c'est pas vraiment le top du top. Voilà, c'est tout bon, on y retourne dans le jeu. Retour. Ouais, voilà. Mais bon. Russes, restez en alerte. Bien reçu, Titan 1, je maintiens la trajectoire. Arrivez sur la cible dans 3 minutes. Les Suisses vont se faire dessus pour risquer l'incident diplomatique international en nous envoyant ici. Les renseignements disent que ce caillou est abandonné depuis 50 ans. Et on ne peut jamais se fier à leurs infos. Alors vaut mieux rester vigilant. Unité Spartan, maintenez vitesse et trajectoire. Bien reçu, Titan 1. Bon sang! Vous avez vu? Spartan 2-1, Spartan 2-1, je détecte un pic de radiation sur votre trajectoire. Eh merde! C'est une IEM! Et voilà, on vient de prendre le contrôle. Alors, comme on avait pu le deviner, les graphismes sont magnifiques. Alors, la commande
Oui, parce que j'arrivais pas à avancer. Petit détail assez atypique, hein, mais bon, Z que Z, c'est mieux, hein, parce que bon, le W, il est pas tellement à la place de mon Z, moi. Ouais. Allez, voilà, c'est bon, on peut avancer, c'est déjà mieux. Ouh, des flammes et tout. C'est vraiment bien fait au niveau du graphisme. Et ça rame pas du tout de mon côté. J'espère que ça ramera pas, normalement, ça rame pas du tout. C'est nickel. Et c'est quand même assez bien. Bien fait, quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Régénère votre santé. D'accord. Donc, je régénère ma santé. Voilà. J'ai beaucoup mieux ma barre de santé qui est en haut à gauche. Je répète, on a été touché. Alors, ça parle dans le. Dans le. Micro. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une mallette de soins. Enfin, une trousse de soins. Appuyez sur H pour l'utiliser, mais on n'en a pas besoin pour le moment. Donc on voit un là-haut, ça doit être, qui doit être la, le nombre de mallettes de soins, de trousses de soins qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Ça doit être une ville. Retrouver Devlin. Devlin ou Devlin. Je sais pas du tout comment ça peut se dire. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Voilà, j'allais dire, est-ce qu'on peut sauter? Oui. On peut pas s'accrocher, par contre, c'est pas du jeu. Hein. C'est pas du jeu à troisième personne comme on le voit avec du Tomb Raider. Alors, qu'est-ce qu'on a ici à l'intérieur? Où sommes-nous? Ça, c'est du papier. Une note. Oh là, il y a du blabla dedans. Ouh, j'ai la flemme de lire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, non. Par terre, c'est un enregistrement. L'afflux de scientifiques et techniciens. D'accord, donc ça parle. Un microphone. Ouais. Un téléphone. Une machine à écrire. C'est super. On peut interagir avec des éléments qui ne servent à rien du tout. Une machine à écrire. Ça fait ding. Voilà. Ding. Mais c'est beau. Ding. Il y a peut-être un truc à débloquer en faisant ding ding. Peut-être, je sais pas. Ding ding ding. Oh, un projecteur. Alors vas-y, projette-moi quelque chose. Oh. La menace de l'Occident est toujours présente. Et ici, sur l'île perdue de 14-12, nous combattons cette menace. L'œuvre grandiose que nous accomplissons changera le monde et protégera notre mode de vie de ceux qui le menacent. Les scientifiques soviétiques ont découvert la réponse à nos espoirs et à nos rêves. L'élément E-99. Le 99 est un élément rare que l'on trouve sur 14-12. Ce qu'il me raconte ne m'intéresse pas du tout. Enfin, si, bon, un petit peu. Le 99, c'est l'élément là qui a tout déclenché, c'est une sorte de matière. Mais vous l'avez vu comme moi dans la vidéo. Alors. Ouais. Pour l'instant, le chemin est tout tracé. Oh, une planche. Appuie sur souris 3 pour attaquer. D'accord, voilà. Souris 3, c'est la molette du milieu, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Appuie sur C. Donc on a une sorte de petit didacticiel en même temps qu'on avance. Ouais, c'est bon. Oula, c'est tout blanc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. D'accord. Ok, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est beau. Oui, je peux pas aller par là. Je peux aller par la porte de devant, mais on va passer. Voilà. Il y a quoi de l'autre côté? Il y a rien. Voilà. Ah bah si, il y a du blanc. Il y a du blanc. Où c'est qu'il est le blanc? Ah bah là, oula, ça fait boum. Ouh. Et où c'est qu'on est maintenant? On est dans le passé ou quoi là? Il y a tout qui brûle. Oh putain, c'est tout. Il y a tout qui pète surtout aussi. On a l'impression d'être dans une sorte de flashback. En plus, je tombe par terre. Oh, celle-là, je pouvais pas l'éviter, je pense. Ça fait partie de la cinématique. Il y a un bonhomme là. Faudrait l'aider. Sauver l'homme blessé. Mettez-le à l'abri. Alors, je vais essayer de t'aider. Putain, je vais essayer. Voilà. J'ai vraiment mal. Je peux pas marcher. Vous devez m'aider. Ah. Voilà, donc maintenant on se trimballe avec un mec sur le dos. Le passage s'ouvre devant nous si c'est pas beau. Hop, on va continuer comme ça. Je vais
On va le faire maintenant, les 5 minutes que je vous laisse d'habitude sur les jeux, je vais les faire maintenant. Radko, non ! Il faut pas que t'aies des chefs ! Qu'est-il arrivé? Qu'avez-vous fait? Ce que j'ai fait... Mais rien. J'ai failli rester. Heureusement qu'il m'a secouru. Ok, on se concentre. Je suis les directives de base. Rejoindre la tour radio. Nous revoici dans la partie, donc cette fois-ci maintenant on a une arme,
On a déjà commencé à buter du pabot, du vilain. Comme je dirais. Alors, par contre là, je sais pas où c'est que je dois aller. Je suis en train d'essayer de chercher justement. J'ai cru qu'il y avait un mec à gauche. Là, c'est un énorme cul-de-sac qui sert à rien. Donc on fait des constructions des fois qui servent à rien. Voilà, une preuve. Un énorme cul-de-sac. Hop, des munitions. Des munitions. Non, c'était un autre flingue en fait qu'il y avait par terre. Là. On me tire dessus, mais je sais pas d'où. Non. Ouh, les vilaines bébêtes qui font mal. Oh là là. Elles veulent pas crever, les bébêtes. Mais tu vas crever. Crève. Voilà. Allez. C'est bon. J'ai quand même vidé un chargeur sur deux bêtes. Elles meurent pas facilement, ces petites-là. Il vaut mieux les viser dans la tête, tout ça, mais bon, voilà. Je suis pas tellement fort en FPS, quoi. Allez. Hop. Titan 1, vous me recevez ? Je suis apparemment dans une école et il y a un... Voilà, donc là on est dans une école. On est toujours à la recherche des gamins qu'on a vus tout à l'heure, en fait, de la mission qu'on a. On n'a pas vu les gamins, mais de la mission qu'on a trouvée. C'est qu'on avait un ballon qui descendait. Un petit bruit d'enfant, mais en fait il y avait personne en haut. Et on cherche les enfants. Ouvrir. Hop, le 480. Le. Putain, pourquoi je dis 400 ? Le 99. Pourquoi je dis 499, moi ? Je sais pas. On a des robinets, on a tout un tas de trucs qui servent à rien. Oh ! Voilà, il y a des écolières. Ah ! Sauf que lui, il était pas... Lui, c'était vraiment un vrai. Voilà, je l'ai tué assez rapidement, hein. Il faut vraiment en tirer la tête. Ce qui n'est pas évident tout le temps. Alors là, il y a un enregistrement. Encore une note ici que je vais pas lire du tout parce que j'ai toujours la flemme de lire des petits papiers comme ça. J'aime mieux écouter. Et encore là-bas, du coup, comme je parle, je peux pas m'écouter pas. Donc, on avance un peu à l'arrache. Alors, encore une boîte, encore de l'élément. La note, machine à écrire, super. Techno. Alors, deux chemins s'offrent à moi. Je vais là-bas. Où je monte les escaliers et encore, putain, il y a trois chemins qui s'offrent à moi. Donc on va plutôt monter en haut pour l'instant. Et je viens de faire un beau pléonasme de monter en haut. Pour ne pas descendre en bas. Donc encore un enregistrement. On pourrait tous se les farcir, mais je pense qu'on aurait très vite fini la vidéo si on les écoutait tous. Alors des bureaux. Ah, on peut ouvrir les tiroirs des bureaux. Ouais, il n'y a rien devant celui-là. On va peut-être trouver de l'élément radioactif dans les bureaux d'école, hein, on va savoir. Allez savoir. Alors, on se baisse. Allez, c'est encore tout blanc. Là, c'est une sorte de salle de classe. Est-ce qu'on va recroiser un vilain pas beau ? Non. Non, il n'y a pas de vilain pas beau. Bon, alors on ouvre la boîte. On récupère encore de l'élément. Je sais pas à quoi ça peut bien nous servir, hein, tout ça. Le 99 là. Oh, ça sent la projection là, ouais. Encore un projecteur. Allez, projette-nous quelque chose. Ouais. Avec la même musique d'intro que tout à l'heure. Tadam. Bon. Niou. Où est-ce qu'il y a des gens? Je m'attends à tout moment à croiser 30 zombies au centimètre carré. Voilà. Je vais peut-être pas descendre en bas. Si je saute, je pourrais pas remonter. On va peut-être faire le tour avant d'y aller. À mes risques et périls. Oh, un enregistrement audio. Toujours des enregistrements. Allez. Donc on redescend, on va prendre l'autre chemin qu'il y avait en bas avant de revenir ici. Ouais, je sais plus d'où je viens en fait. Voilà, c'est bon. Ouais. Hop, 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 hop. Allez, on descend. Oh, pas de charge. Donc là, je vais ici. Qu'est-ce qu'on a? C'est une sorte de... Ça, c'est une cantine. D'accord, donc on va récupérer ce qu'on peut récupérer. De l'eau. Ouais. Il n'y a rien d'autre d'intéressant à récupérer.
un peu de fumée quand même dans ce self. Hein. Un tout petit peu. Voilà, voilà. Tant pis, y'a rien d'autre. Bon, on retourne là-haut du coup. Oh putain, y'a un ennemi. Non, je croyais qu'il était mort, vas-y. Allez, non! Le temps qu'on recharge, le machin, il est arrivé sur nous. Là, je suis en train de vider mon chargeur dessus. Et tu veux pas crever? Et vas-y, crève! Voilà. Sont durs, hein? Sont durs à crever, ceux-là. Donc, voilà. Maintenant, on va remonter en haut. Et on va aller dans le trou qu'on a vu tout à l'heure. Toupidoupiou. Hop, hop, c'était là. C'était. Je sais plus où j'étais. Je découvre une porte en même temps. Voilà, c'était là-bas. Et donc, cette fois-ci, on va descendre. Hop là. Oula, ça a eu un petit lag. Ah oui, il y a eu la sauvegarde en même temps, d'accord. Oula, il y a une bestiole là. Hop là. Il n'y a plus de bestiole. Voilà, comment on nettoie. Faut que je fasse gaffe à mes munitions, j'en avais plus tellement. Il me reste 8. Voilà. Oula. Et les trucs qui font peur dans ce jeu. Ouais, qui font peur. Qui font les petits effets de surprise, donc je peux pas remonter en haut. Où c'est que je peux aller? Je peux pas aller là-bas. Tout PC. Tout bloqué. Ah, d'accord. Ok, il y a une petite trappe ici. Hop, là, il y a un corps, on dirait. Ouais, oh bien, un enregistrement dans les, dans l'aération, pourquoi pas. Il y a eu un nouvel incident. Bien c'est peut-être lui qui a enregistré. Il a dépassé les prévisions de voilà. Ouais. Sécurisons l'installation. Oh putain. Oh, il est pas beau, lui. Il est pas beau. J'ai bientôt plus de munitions. C'est bon, j'en ai encore deux. Je vais pas aller loin avec deux munitions, je crois. Ouais. Allez, on ouvre la porte. Ouais, c'est une bibliothèque, ça. Oh, vous l'aviez remarqué. Oh, il y a une bestiole là-bas. Oh là. Faut pas que je me gourre, faut pas que je me gourre. Je suis au bon endroit. Il est pas mort. Bon, il est pas mort. Alors, bah, on va y aller à coup de couteau. Hein. J'ai plus que ça. De toute façon, j'ai plus que des couteaux. Bon, bah, lui aussi. On va se le faire au couteau. Allez, crève. Ça met un peu plus de temps à crever au couteau, mais bon. Ça crève quand même. Et je prends aussi un peu plus de dégâts, forcément, puisqu'il me tape au moins une fois. Ouais. Je le sens pas tellement là. Alors, est-ce qu'il y a des munitions? Clac, et voilà. 10 balles. On va pas aller loin, mais c'est toujours ça. Ah bah voilà. Voilà une solution. Ah bah, ça va être tout de suite un petit peu mieux. Voilà, une vraie arme, ça, c'est ce que j'appelle une vraie arme. Donc ça, c'est de la bonne grosse mitraillette, ça. Ah non, ça, c'est un pote à moi. Ouais. Bon, mais je vais lui donner un coup de main. Ah, bah non. Passe par les fenêtres. Ah, tout de suite, c'est mieux quand même pour dégommer de l'alien. Enfin, de l'alien de. Du mec qui a mangé de l'E99. Voilà. Ah, bah tiens, il y a une arme. J'ai gagné des munitions. Attention. Voilà. Allez, crève. On n'a pas l'air d'avoir envie de crever. Voilà. Et l'autre, il est au sol. Oh, alors, il faut quand même des balles. Hein. Même bien visé, il faut quand même. Voilà. Il faut quand même bien tirer. Alors, on est ressorti dehors. Alors, là-bas, il y a un truc qui crame. On sait pas trop que. Regardez, c'est bizarre. On va faire le tour parce que je vais éviter toutes les surprises possibles. On va faire comme ça le tour en longeant le bord pour les voir arriver parce que si on va au milieu, il va y en arriver de partout. Je le sens pas tellement.
Ouais. J'en profite pour récupérer des tout ce qu'il y a dans les caisses. Tout ce qui va être munitions, pratique. Voilà. Hop, de la techno E99. Plus belle aux alentours, hein, ça. Voilà, on pousse la techno. Je sais pas à quoi elle sert, mais si on peut essayer de tout récupérer dans le niveau, c'est plutôt mieux. On n'est pas retourné dans le hall là. Ah non, c'est pas le même endroit. Ça ressemble avec le projecteur et tout, mais non, c'est pas la même chose. Cet endroit est tout sauf abandonné. Ouais. Il y a quelque chose qui cloche. On devrait ouvrir. Attention, il va ouvrir la porte. Il y a une sauvegarde en même temps. On se dit que ça sent le fion. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un mec mort. L'uniforme. Volk S4. Ouais. Allons-y. Non, moi je préfère ma petite arme à moi. Elle est bien. Ah ben, d'accord, ok. C'est quoi ce bordel? C'est bon, allez, on va avec le Volk. Donc il ferme la porte. Vite, donnez-moi un coup de main avec ça. Faut que je l'aide à mettre ça. Alors je sais pas comment faire. Comment faire? Oh là, armoire, allez. On va y arriver. Bah, il l'a fait tout seul comme un grand. Pas beau. Ouais. Allez, y recoucher, sale bête. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, des munitions pour le Volk. On l'a laissé derrière, on peut pas y retourner. Bon. Je le sens que je. On s'est fait avoir, moi. Je le sens que je me suis fait bien avoir. On a eu un ralenti sur l'ouverture de porte, c'était plutôt beau. Oh, des munitions pour Volk encore. Une petite trousse de soins, toujours utile. J'en ai 3 maintenant. Renko à droite, je prends à gauche. Ouais. Hop, hop, hop. Hop. Les munitions descendent beaucoup et j'ai pas mon vol, putain, il me reste plus que 10. Je vais déjà me retrouver à court de munitions et j'ai pas pris l'autre arme. Ah là là, je m'en veux maintenant. Parce que l'autre il y a des munitions partout quoi. Ouais, 10. Voilà. une fois que j'ai enlevé ça, il n'y a plus rien. Voilà. Et voilà, j'ai plus de munitions. Terminé. Voilà, ben on va rester sur le pistolet. Des munitions pour Volk, évidemment. Voilà, des munitions, il y en a partout pour les Volk. Je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Il y a plein de munitions, mais j'ai pas l'arme qui va avec. Ah ben voilà. Pour l'instant, il me reste quelques balles. J'ai pas encore gagné. Ah, il fait mal. Voilà. Je régénère ma santé. Voilà. Ce qui est bien avec les petites trousses de soins, c'est que bon, il faut les utiliser quand on n'a pas trop de santé parce que ça régénère tout. Et donc, du coup, si vous. Il me semble que ça régénère tout. Si vous l'utilisez alors que vous êtes déjà full de vie, bah voilà, vous l'avez plus terminé à l'utiliser quoi. Ah, lui il s'éclate à tirer sur quoi? Ah bah d'accord, ok, je tombe. Ok, puis je tombe tout seul en plus, hein, l'autre il est pas là avec moi, donc je me suis obligé de m'occuper moi-même des deux bestiaux là. Il me reste 4 balles. On va pas se rater. 1, 2, ah j'ai tiré une qui sert à rien. Je suis dégoûté. Allez, on remonte avec notre pote. Alors, qu'est-ce que c'est? Des munitions pour Volk, c'est super, j'en ai toujours pas. Je tiens la position pendant que vous trouvez un moyen d'ouvrir la porte. Voilà, j'ai plus de munitions, c'est terminé. Donc maintenant, on y va au couteau. Super, donc on va hop par ici. Hop. Allez, Renko, trouvez un moyen d'ouvrir cette porte, je reste ici. Il aurait pu passer avec moi quand même. Je pense qu'il aurait au moins pu venir avec moi, ça lui aurait pas coûté grand chose. Ma santé n'est pas à son top, hein, voilà. C'est difficile de tuer une petite bestiole sans super arme de fou.
Ah, ça y est, j'ai retrouvé plein de munitions. Une mallette pleine de munitions qui remplit full, quoi. Ah, ça c'est bien ça. Comme ça, je peux repartir de plus belle. Hop, hop, voilà. Je suis à full pour les autres munitions, donc du coup, je peux pas les prendre. Ah, d'accord. Je suis en train de me dire, il est où mon collègue? Mais non, il est là. Ferme bien la porte. Et on va attendre pour passer là parce que c'est... on peut pas l'ouvrir nous. Non, on peut pas l'ouvrir cette porte. Faut attendre que ce soit notre pote qui vienne l'ouvrir. Allez, bouge ton Luc. Voilà la tour radio. On contacte bien jusqu'ici. Et on se tire de cet asile de fou. Ce qu'on va faire, on va... je vais vous relaisser à partir de là. Je vais vous relaisser encore 5 minutes. Parce que la vidéo est un peu longue. Donc voilà, allez, c'est reparti pour 5 minutes de jeu. Sur moi. Ouvrez l'œil. J'ai atteint les docks, mais les patrouilleurs étaient tous partis. Il n'y avait plus de place. Les gardiens prétendent qu'ils reviennent. Plus important, plus grave. Non, pas moyen. Fouillez ce poste de garde. Il y a peut-être un autre interrupteur. Ok, on est bon. Revenez sur ma position. Merde, revoilà ces choses. Prenez ce fusil, on va se frayer un chemin. Joli tir! Allons-y! Un hélico! Et c'est pas un des nôtres! À terre! Et nous revoici après 5 minutes de jeu, on vient de trouver la caverne d'Ali Baba. C'est un truc de fou tout ce qu'il y a, aide-moi toutes ces armes et ces munitions.
On n'a jamais vu autant. Donc on est content, voilà, voilà. C'est quoi ça? Genre de snipe. Ouais, non, je préfère ma mitrailleuse à 360 là. Ma santé, j'en ai déjà. Ah ouais, j'ai déjà 5 machins de santé, donc je peux pas. Ah non, c'est pas des mallettes, c'est des trucs qui donnent directement de la santé. Ouais, on peut pas passer par là. On peut pas passer par là. Là, il y a une jolie mallette. Amélioration d'armes. Vous avez trouvé une amélioration d'armes et accéder à votre temps pour les armes. Ouais. Hop. Et ça, c'est casier. Pour les armes. D'accord. Alors, si je vais dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans? Centurion. Ouais, imaginons améliorer. Donc, je peux améliorer chargeur, rechargement rapide. Ouais, j'ai amélioré le chargeur. Voilà. Voilà, je peux pas choisir l'autre arme par contre, s'il vous plaît, l'autre arme. Non. Bon bah non. Eh bah tant pis. Oh, une invasion. Une invasion de gens. Hop. Plein de gens qui arrivent. Et puis ils me tirent dessus. Ils sont pas gentils. Et ils arrivent, c'est qui tous ces gens? C'est plus des extraterrestres là, c'est carrément l'armée qui nous envoie de là. Là il y a un hélicoptère. Allez, tombe, foire d'hélicoptère. Je vais laisser tout mon chargeur, vous allez voir. J'en profite pour démonter les autres là. Il y a un paquet de bonhommes aussi. Ouais, peut-être pas trop qui s'approchent de nous parce qu'ils ont l'air beaucoup. Ouais. Allez, crève. Voilà. On recharge. La trousse de soins, hop. Ouais, non. Je suis déjà au max au niveau trousse de soins. Je me soigne, comme ça je peux en prendre une autre. Voilà. Et on est reparti le plus bel. On a de la réserve pour se soigner. Et la réserve pour se soigner et pour tirer. Il jette déjà des grenades, le mec il bouge pas quoi. Il y a du sang par terre et tout. Le mec il bouge pas de sa position. Il peut prendre une grenade. Normal. On dirait avec le nombre de balles qu'on reçoit dans la tête. Et où c'est qu'on meurt pas. Parce qu'il nous reste de la vie. Donc cherchons pas la logique. On prend des grenades. Aucun souffle, rien du tout. Lui il s'approche. Quand il commence à s'approcher, c'est pas bon du tout. Ah, ils sont vraiment beaucoup, il y a une sorte de grosse vague d'ennemis. Il était vraiment pas loin celui que je viens de buter. Oulala! Ah oui, ils sont vraiment pas loin du tout, effectivement. Les limites sont à l'intérieur. Ah, puis ils me laissent toutes leurs armes, c'est super. En cas où j'ai besoin, en cas où il me manque des munitions, des armes, c'est bon. J'ai de la réserve. Si vous pouvez aussi me laisser des mallettes de soins, encore mieux, parce que si on est là dans 3 heures, ça va peut-être m'en falloir. Ah, repliez-vous. Et ben replions-nous. Ouais, j'en profite. Ah, ma santé qui se barre. Voilà. Hop, c'est reparti. Donc là, on est poursuivi, donc on se barre en courant. Non, bah non, raté. D'accord. Tout est noir, c'est beau. Capitaine Renko. Vous êtes le capitaine Renko, non? Ne soyez pas si surpris. Votre nom est inscrit sur votre uniforme. C'est l'individualisme typique américain. Bien, j'ai quelques questions pour vous. Nom, grade et numéro de série. C'est tout ce que t'auras, Ivan. Relis la Convention de Genève. Cela fait des années que je ne m'en préoccupe plus. D'accord. Nous sommes des soldats américains. Je veux parler à quelqu'un de notre ambassade. Je pense que ça ne va pas être possible pour plusieurs raisons. Notre ambassade, maintenant! Voilà qui est mieux. Vous n'avez pas pris une ride en 50 ans. Je ne vois qu'une seule explication.
Le MT, où est-il? Ouais. Alors là, on a les mains attachées, faut qu'on se barre, faut qu'on se... Non. Bah, il me disait, enfuyez-vous vers la porte, je me suis enfui vers la porte, sauf que ça devait pas être celle-là. Génial. Alors, qu'est-ce qui nous recharge? Sprint, attention, appuyez moi gauche pour sprinter, ça j'avais trouvé. Ouais, allez, c'est parti. On fuit. Ça doit être ça la porte, ça doit être ça. Vite. Me fait canarder comme un lapin. Ils me suivent en courant. Ah, ça tire de partout. Vite, on saute, vite. Il y a des mecs de partout. Ah putain, ils arrivent dans tous les... Comme par hasard, ils arrivent dans tous les sens. Hop là, ils font péter les barils de pétrole et tout là. Je suis les portes, heureusement que c'est très intuitif. Hop là. Non, descendez l'escalier. Elle me dit descend l'escalier, alors vite. Voilà. Ah bah dis donc. Mon Dieu, vous êtes là. Comme l'a dit le Mir 12. Vous devez avoir des tas de questions, mais le temps nous est compté. Par là, vite! Sarah Scott! Private Bougla! Je m'appelle Catherine. J'appartiens à une organisation nommée le Mir 12. Tenez, ça devrait répondre à quelques questions. Nous sommes le Mir 12. Notre mission est de révéler la vérité qui a été dissimulée au monde entier. Dans les années 50, une base de recherche militaire a été construite sur Katorga 12. À ce jour, le gouvernement nie son existence. C'est un mensonge. D'après des documents top secrets, la base servait de site de recherche pour le minerai E-99. Deux hommes dirigeaient le programme de recherche sur l'E-99. Le professeur Victor Barisov. Un expert en physique quantique. Il n'a pas vécu assez longtemps pour voir le résultat de ses travaux. Il serait mort dans un mystérieux accident de laboratoire. Cet homme a repris la tête du programme après la mort de Barisov. Il a poursuivi pour asseoir la domination russe sur le monde. Par une guerre gagnée avec des armes hors normes, développées sur Katorga 12. Aujourd'hui, il est devenu le chancelier Nikolai Demitchev, le leader du gouvernement mondial. L'ascension au pouvoir de Demitchev demeure cependant un mystère. Notre organisation possède un journal qui indique que Demitchev est un imposteur. Cela soulève même question sur Katorga 12. Que s'est-il passé ici pour que Demitchev accède au pouvoir? Qu'est-ce qui a provoqué tant de destruction et tué tant de personnes? Tout semble accuser cette structure sur Katorga 12, la singularité. Qu'est-ce que la singularité? Le journal prétend qu'un homme nous mènera à ses réponses. Il s'agit du capitaine Nathaniel Renko. Notre mission est de trouver le capitaine Renko et de l'aider à atteindre son but. Nous sommes le Mir 12. Nous révélerons la vérité. Un des scientifiques du projet Singularité a construit une chambre forte. Il faut la trouver. Passez par là. Voilà. Et donc c'est sans transition que on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc ce sera tout pour ce jeu qui est plutôt pas mal, que je vous conseille, qui s'appelle donc Singularity. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé, ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.